Bonjour, bonsoir à Haïti et tous les amis compatriotes et tous les collaborateurs qui connectent nous dans tous les départements PIA. Bonjour, bonsoir à la diaspora et en façon spéciale et tous les compatriotes qui suivent nous aux États-Unis, Brésil, Chili avec la République et Dominicaine. Bonjour, bonsoir à fanatiques, bonjour, bonsoir à internautes. Tout fidèle branché plateforme ça, moins content ensemble avec vous. Si vous la caillou, notre travail dans la rue, quel que soit à côté ou connecté plateforme, dans moins salut. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en deux fokem pour me rentrer la caillou, pour me partager avec toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Nami quoi, c'est toujours ami ou serviteur. Merci Dieu, toute équipe là à la honne, badé. Nous déjà motivés et mobilisés avec staff nouvelle là et formation yo sous pays d'Haïti. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, la République dominicaine montre ses muscles après avoir fermé totalement hier ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec Haïti dans le cadre du conflit né de la construction d'un canal haïtien d'irrigation sur la rivière Massacre. Elle a procédé hier à un important déploiement militaire, notamment sur les lignes frontalières de Dearborn et Elias Piña. L'ambassadeur dominicain à Port-au-Prince, Farouk Miguel Castillo, a été convoqué hier par le ministère haïtien des Affaires étrangères à la suite de l'entrée en vigueur des mesures de représailles adoptées par le président dominicain Luis Abinader. L'État haïtien doit protester formellement et énergiquement contre les décisions hostiles de la République dominicaine, affirme le professeur Maïmi Marie Fleurant, qui pense que le gouvernement d'Ariel Henry devrait rappeler l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo pour consultation. Le vice-recteur à la recherche à l'Université publique du Nord-Est à Fort Liberté demande par ailleurs au gouvernement de s'approprier de la construction du canal. Jude Scholl, un ressortissant haïtien de 44 ans, accusé de manquer de respect au président dominicain Luis Abinader sur le réseau social TikTok, a été arrêté hier par la police voisine dans le quartier de Santa Lucia. Il sera remis à la direction générale de l'immigration. La communauté internationale continue de tergiverser sur le dossier d'Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est finalement pas prononcé sur le projet de résolution devant autoriser le déploiement d'une force multinationale en Haïti. L'examen du texte a été repoussé à une date ultérieure, informe le BINU, notant que le programme du Conseil de sécurité est strictement décidé par les États membres. Décès hier du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Jacmel, Lionel Chérima, dans un accident de la circulation sur la route nationale numéro 2 au niveau de la Cule à Léogane. Un agent de l'UDMO en détachement avec le commissaire du gouvernement est également décédé dans l'accident. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, Nick René Atman, a réitéré hier la volonté du PNUD de continuer à œuvrer aux côtés des dirigeants haïtiens pour une Haïti stable et en voie de développement. Dans un entretien exclusif à Vision 2000, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la résilience du pays sont les deux axes prioritaires pour M. Atman. Des associations syndicales du secteur de la sous-traitance pressent le Premier ministre Ariel Henry et le ministre des Affaires sociales Audney Pierrico de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'ajustement du salaire minimum avant l'ouverture du prochain exercice fiscal le 1er octobre 2023. Dans l'international, Joe Biden accueillera jeudi 21 septembre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien rejoindra la Maison-Blanche pour évoquer la question du soutien de Washington à Kiev sur la question de l'invasion russe, a confirmé hier un haut responsable américain.
L'un des fils du baron de la drogue El Chapo, Ovidio Guzman, a été extradé hier du Mexique vers les États-Unis, ont annoncé les autorités américaines. Il est inculpé pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et d'autres crimes violents. Et puis, trois jours après sa rencontre avec Vladimir Poutine sur la cosmodrome de Vostochny, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré ce samedi le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, dans l'extrême orient russe où il a examiné des armes de pointe russes dont un système de missiles hypersonique. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radiovision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier, informer, c'est notre passion. Benjo Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. La République dominicaine montre ses muscles après avoir fermé totalement hier ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec Haïti dans le cadre du conflit né de la construction d'un canal haïtien d'irrigation sur la rivière Massacre. L'État dominicain a procédé hier à un important déploiement militaire, notamment sur les lignes frontalières de Dajabón et Elias Piña. Cette dernière a été complètement militarisée et fermée selon la presse dominicaine. Le gouvernement haïtien a dans une note dit prendre acte des mesures de représailles adoptées par le président dominicain Luis Abinader et revendique le droit pour Haïti d'utiliser l'eau de la rivière Massacre. Le ministère haïtien des Affaires étrangères a ainsi convoqué hier l'ambassadeur dominicain à Port-au-Prince, Farouk Miguel Castillo. Le gouvernement invite les Haïtiens à la sérénité et s'engage à prendre toutes les dispositions afin que l'irrigation de la plaine de Maribaru se fasse dans les normes, la supervision notamment des ministères de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et de l'Environnement. L'État haïtien doit protester formellement et énergiquement contre les décisions hostiles de la République dominicaine, affirme le professeur Maïmi Marie Fleurant, qui pense que le gouvernement d'Ariel Ri devrait rappeler l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo pour consultation. Le vice-recteur à la recherche à l'Université publique du Nord-Est à Fort Liberté, qui connaît très bien ce dossier pour avoir donné des consultations techniques sur le projet entamé sous l'administration de l'ex-président défunt Jovenel Moïse, demande au gouvernement de s'approprier de la construction du canal. Le professeur Maïmi Marie Fleurant était hier l'invité de Marie-Lucie Bonhomme. République d'Haïti, qu'on y a l'État haïtien, pas gagné l'autre choix. Choix qu'elle gagne, c'est prendre acte que la République dominicaine coupe tout contact avec lui. Et deuxièmement, après notre la envoyé, je me dis là, c'est protester officiellement, une note officielle, c'est convoquer l'ambassadeur de la République. Il n'y a pas le temps d'eau, par exemple, bon, oui, Haïti est peut-être plus pauvre que la République dominicaine. Il y a un canal de communication rapide avec la population de Wanamet et de Férié, ou est-ce que de Ponyo, et montrer que l'intervention, ça va le faire là. Ce n'est pas des interventions pour que suspendre le travail même pendant un jour. Mais c'est que c'est l'État ici qui va réapproprier l'œuvre, l'ouvrage là. Mais là, vous voyez, une équipe technique. Et là, quand même engagé une firme qui est spécialisée, mais pour qui ça ne parle pas de la firme. Parce que nous voulons qu'on maîtrise des eaux de surface, des firmes cubaines qui vraiment spécialisées dans ça, relayer pour finir le travail là, pour que le travail là, lorsque nous arrivons devant l'arbitrage, il respecte les normes et les standards internationaux. Les Haïtiens sont dans leur bon droit de faire le même usage de la rivière Massacre que la République dominicaine, indique Guichard Doré, l'ancien conseiller de feu président Jovenel Moïse, dénonce les actes de Luis Abinader, déplorant le fait que les autorités haïtiennes aient délégué des personnalités en République voisine pour des négociations. Guichard Doré avec Léon Kercivil. Non, moi-même, d'être j'étais de faire ça depuis avant, depuis le gouvernement président dominicain a lancé l'ultimatum à Haïti pour le camp de Barrelan, je devais convoquer déjà la chancellerie haïtienne
c'est de convoquer l'ambassadeur dominicain accrédité en Haïti pour expliquer et porter des précisions, fournir des explications et donner les motifs de la décision, de le comportement du président Abinader en Haïti. Déjà, les Dominicains font mauvaise appréciation du dossier, alors que c'est eux-mêmes qui ont gagné 11 prises sur rivière Massacre et puis ont installé 20 pompes sur rivière là. C'est pour la première fois Haïti a essayé de prendre une prise sur rivière là, alors que d'après les conventions, les traités internationaux sur les eaux transfrontalières, c'est des pays qui ont partagé de l'eau ça, ils ont supposé prendre à part égale. Donc les Haïtiens, ils sont dans leur bon droit de faire une prise sur la rivière et Massacre. Là eux-mêmes, ils ont fait une prise d'Akaibaïwa, ils n'ont pas demandé à Haïti, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas communiqué dossier technique avec le gouvernement haïtien pour le gouvernement haïtien était apprécié. Le gouvernement fait plusieurs faux pas dans le dossier déjà. Le gouvernement haïtien n'a pas de gain pour le dévoyer mon en République dominicaine délégation. Il revient aux Dominicains, c'est de dépêcher un émissaire ou une délégation auprès du gouvernement haïtien pour demander éclaircissement sur le dossier. Maintenant, nous voyons que c'est l'inverse qui a fait. Autrement dit, le gouvernement haïtien entre dans le dossier en situation de faiblesse. Moi, je crois que dans la situation, il faut que nous reprenions la gaille, dans la dimension qui est là. Nous, comme Conseil national de sécurité et de défense, la Caïbanon, qui était supposé accompagner le gouvernement d'abord. Le gouvernement qui a activé le Conseil national de sécurité et de défense, là, qui était accompagné pour permettre de saisir toutes les acuités autour de cette question pour avancer. Parce que le dossier, c'est un dossier stratégique pour la République dominicaine, mais non de ce stratégique pour Haïti tout. C'est-à-dire que la rivière de Massacre lui permet d'arroser une bonne partie de la région Cibao en République dominicaine. C'est la région la plus productive en République dominicaine en matière agricole, etc. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, l'État haïtien, nous avons gagné 10 000 hectares dans la zone pleine Maribaoua. Si prise non fait, si cette prise n'a pas le faire, c'est 3 000 hectares qui permettent de nous irriguer. Son travail qui a commencé depuis 2013, malheureusement, pas de continuer parce que tu as des problèmes techniques, le dossier n'a pas de continuer. 2018-2019, le gouvernement haïtien reprend le dossier pour continuer avec lui. Donc nous sommes dans notre bon droit pour nous permettre, paysans haïtiens, si ce n'est pas 6 000 en République dominicaine, pour ne pas le faire jardin la caillou, etc. Ça, le président Abinader a fait, c'est parce qu'il pensait que si de loi prend, paysans, ça qu'on a le fait jardin en pleine Zibao, dans les zones rurales de Dabon, qui du côté dominicain, la privée brasse. Parce que les Dominicains, ils n'ont pas fait jardin. C'est Haïti qui a fait jardin la carrière. Donc nous-mêmes, si nous prenons une décision ça, non seulement on a permettre de rétablir notre identité en tant que monde, pour nous ne pas humilier tout le temps. Et deuxièmement, on a permettre de réduire le volume d'importation des produits agricoles en direction de République dominicaine à Haïti. Et puis on a essayé d'équilibrer la balance commerciale noire. Donc c'est un enjeu stratégique aussi important pour Haïti, économique, stratégique et nous-mêmes de. C'est pourquoi, moi, je dis que c'est un dossier de sécurité nationale. Monsieur Ariel Henry, si vous comprenez un jeu de dossier, vous traitez avec tout le sens sérieux que ça a demandé. Les décisions du président dominicain Luis Abinader constituent une attaque contre les intérêts des deux peuples partageant l'île. Selon le parti Rassemblement des Patriotes Haïtiens, le secrétaire général du RPH, l'ex-sénateur Patrice Dumont, qui banalise les sanctions du chef de l'État voisin contre des supporters de la construction du canal d'irrigation, approuve la note du gouvernement et lui demande de prendre en charge l'ouvrage. Patrice Dumont était également au micro de Léon Kercivil. Équipe Haïti a l'ipagé défense, l'ipagé gardien. Défense à gardien, yon pep, c'est gouvernement. C'est vrai, hier soir, bien tard, mais ouais, yon note que gouvernement sorti, mais noté globalement que yon pral encadré, moun nord-ouest yon, nord-est yon, donc pays a, sous canal ça. Même dit ça, mais exige ça, non exige ça, RPH, le yon font qui est fort, moi-même m'a reconnaître pour que Papitano, qu'on y a, yon entre dans le travail là avec l'origine. Pourquoi on peut dire dans l'affaire sanction, dans l'affaire représailles, menaces, c'est que là on peut parler de tête li, moun capagresse là, il mettre toute qualité de sanction. Faux sanction. République dominicaine fait sous 9 haïtiens sario. En fait, son diplôme libayo pour le dire qu'il reconnaît que son paquet de bons patriotes, que le travail du pays. Luis Abinader décidé d'attaquer tout côté avec ultranationalisme dominicain, intérêt tout de peuple. C'est pas étonnant que en République dominicaine, banni avec Assoua, deux villes qui toutes les frontières, eh bien, ils ont manifesté contre décision Abinader là. Pouvoir de facto,
contenter lila. Je dis, il y a 600 pieds en côté que l'ité en retard. Mais moi, je ne pas considérer retard. Mais il prend en position. Moi, pense jusqu'à présent, c'est clair. Sanction, semaine frontière, on garde combien de temps Dominique Yo a capable de tirer la parole que semaine frontière. Ce n'est pas la première fois qu'il a fait une frontière. C'est pas la dernière fois qu'il a fait une frontière. Si vous êtes habitué à voir les gens tourner dans des conditions mais vraiment inhumaines, faites ça qui gagne pour travailler combien ça qu'a fait dans le Magba ou sous le deuxième massacre là, moi pensé lui annoncer l'optique de rapport entre Haïtiens et la République dominicaine. Bagay la gagne un aspect extrêmement politique pour nous entrer là-dedans pour nous résoudre le problème nous, mais il y a un aspect de droit. Nous gagner capacité pour nous faire face à un problème. Non. C'est ça que nous faisons, mais c'est volonté nous pas vivre. C'est ça RPH constate. Le porte-parole du CADOA, membre du groupe de concertation politique pour un compromis historique, Abel Descolines, dénonce la décision du président Luis Abinader de fermer toutes les frontières haïtiano-dominicaines. Il dit quoi que l'attitude cavalière du chef de l'État voisin vise à exploiter la situation de crise qui sévit depuis quelque temps dans le pays. Selon lui, ce conflit mettra à l'épreuve la résilience de la population haïtienne. On l'écoute. Dit nous déplorer attitude de va-t-en-guerre président dominicain M. Luis Abinader. Nous dit nous trouver incompréhensible que président dominicain capable prend décision pour fermer frontière en deux pays alors que nous qu'on a gagné en délégation autorité haïtienne qui présent sous territoire dominicain pour capable fait de discussions autour de problèmes qui posaient dans le cadre d'exploitation habitants, yo, population nord-est a fait de rivière massacre. Donc, nous estimons la République dominicaine, l'État doit privilégier la voie diplomatique, mais attitude qui est affichée par l'État dominicain, c'est une attitude comme si de rapport de force. Bien évidemment, l'État haïtien gagne de faiblesse, nous gagne de problèmes, mais ça n'a pas autorisé on l'autre pays pour que l'y a proféré, pour que l'y a exercé, ça nous considérer comme des menaces gratuites de la Dominicanie vis-à-vis d'Haïti, dans la mesure où canal qui posait problème, non, exploitation rivière qui posait problème, non, gagner un traité d'amitié entre Haïti et la République dominicaine qui signait en 1929, à regarder les thèmes de traité d'amitié. Ça a l'air sans équivoque concernant exploitation rivière massacre. Moi, pas trop épiloguer sous mesure de sanctions qui prend en compte de personnalité haïtienne, puisque la livraison de visa de un pays à citoyen ou l'autre pays, y relevait justement de la question de souveraineté. Maintenant, par rapport à décision pour fermer frontières, bien évidemment, a gagné de conséquences sous le pays d'Haïti lorsque nous connaissons depuis quelques années, voire même plusieurs décennies, nous importer en pile en provenance de la République dominicaine. Maintenant, par rapport à cette situation, nous devons, au moment historique, peuple haïtien qui sont peuple résilient, peuple haïtien qui habitué à résister, eh ben écoutez, il faut que nous organiser, une façon de capable organiser le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour que nous capables boire, pour que nous capables manger, et à la fin de la journée, nous croyons sur le plan économique, dominicain a plus à perdre, puisque c'est quand même près de 9 millions de dollars d'importation, dernier rapport au bail. Donc voilà, le manque à gagner économique, le manque à gagner même pour agriculteurs dominicains, la plus par rapport à conséquences, la va gagner bon côté panne en Haïti.
Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés dénonce les agissements du président dominicain Luis Abinader dans le dossier de la construction du canal haïtien sur la rivière Massacre. La fermeture de la frontière et la suspension de la délivrance de visas aux Haïtiens auront de graves conséquences sur la situation des migrants en République voisine, selon la coordonnatrice du GAR, Katia Bonté, qui dit craindre une augmentation des cas de traite et de trafic humain à la frontière. La défenseure des droits humains demande aux autorités haïtiennes d'agir en responsable face à cette situation de conflit et appelle Luis Abinader à respecter les traités signés entre les deux pays. Écoutez la précision de Katia Bonté au micro de Michel Xavier. Nous demandons au gouvernement haïtien pour lui défendre les droits citoyens et citoyennes, encadrer notre travail pendant la passerie de la République dominicaine, respecter les traités et accords qui sont signés. Nous lançons tout un appel pour tous les membres de la société civile et tout groupement conséquent dans le pays pour m'apprendre force dans l'idée pour exiger au gouvernement haïtien de prendre contrôle de la situation. Et puis agir avec sens responsabilité pour la situation par envie. République dominicaine doit suspendre menaces pour travailler construction canal là continuer fait comme ça doit. D'ailleurs, il y a bientôt gagné 11 captations qui fait sur rivière Massacre là n'en partie pas Ewa dans Dabon. Fermer frontière entre Haïti et République dominicaine a gagné gros conséquences sur migrants haïtiens. Ça a envie de la situation migrant yo plus toujours. Plus de monde pour traverser la frontière dans des conditions irrégulières. Et puis, ça capable d'augmenter le cadre et le trafic de monde sous la frontière. Ça capable d'augmenter l'activité contrebande et puis toute l'autre qualité de trafic. L'État haïtien pas doit faire back. Mais plutôt profiter de la situation comme une opportunité pour bailler j'arrête la production agricole là. Joue pays à capable vivre par tête li manger. Gar, je voulais rappeler principe vivre ensemble qui doit guider rapport des peuples. Haïtiens, haïtiennes avec dominicains, dominicaines cap vivre sous frontière gien bon rapport voisinage. L'état des pays doit travailler ensemble pour éviter tout différent dans respect souveraineté yon l'autre. Garment de tout pour l'État haïtien qui est bégé l'ouvrir sous ressortissant haïtien qui l'a caille voisin et puis exiger protection pour eux dans l'État dominicain dans le contexte de sanction ça qui est capable de déboucher sur une situation regrettable. Tandis que décision a fait, il s'agit d'un conseil de gros décisions, sanctionner le monde, faire un frontière, etc. Est-ce qu'au cas échange pour jouer nous entendre alors que vous-même vous avez agi pour votre départ. Pour votre haïtien, on note que vous qui estimez notre là, on dit jamais une position claire. Position l'État haïtien doit gagner dans ce sens. C'était une étude qui était faite. L'État dominicain avec l'État haïtien a fait chita parler sous cause de capital ça. Journée aujourd'hui, donc nous trouvons les bizarres et drôles, côté République dominicaine, prend décision, fermer frontières n'importe comment, son déclaration conjointe, côté yoté d'accord que pas de problème pour captage en l'effet. Donc nous pensons qu'il faut l'État haïtien chita. Non seulement sous traité, avec sous déclaration conjointe qui était faite. Merci à tous auditeurs, merci à tous les fanatiques qui te prennent un petit chaise bas pour être capable de suivre édition nouvelle ça ensemble avec nous. C'était un immense et réel plaisir pour être capable de faire voir ça. Ma remercie nous pour support nous pour collaboration. Merci de ce que vous avez choisi nous pour capable informer. Merci et pour patience. Mais bien avant que nous mettions un thème définitif à édition nouvelle ça, en allant voyager garder pour nous qui ça journal le nouveliste publié pour jeudi 14 septembre. Force multinationale, rien n'indique qu'une décision sera prise cette semaine à l'ONU. New York s'ouvre un centre d'art du spectacle sur le site du 11 septembre. Le président américain Joe Biden n'a rien fait de mal, dit la Maison-Blanche face à l'enquête en destitution républicaine. Guatemala, le président élu demande la levée de l'immunité du procureur et d'un juge.
la nonciature apostolique indisponible, les négociations politiques renvoyées s'inédit. Crise. Les émissaires de la CARICOM déçus du durcissement des positions des acteurs politiques haïtiens. Un pays peut-il surélever? Rivière massacre, le doigt est du côté des Haïtiens, selon l'agronome Jean-André Victor. Haïti rate une belle occasion de s'offrir la Jamaïque. Okaï, une école de qualité inaugurée à Cambry. MSPP, organisation des examens d'État pour les sciences infirmières. 178 institutions d'enseignement supérieur reconnues par le MNSP. Qu'en est-il des autres? Très timide rentrée des classes 2023. Du fond des tensions, le Premier ministre Ariel Henry inaugure des écoles et un sous-commissariat dans la Grand'Anse. Entre échec et continuation, les acteurs politiques se rencontreront. Ça, c'est quelques parmi titres que journal Le Nouveliste a publié pour jeudi à nous comptons pour nous être capables ensemble avec vos amis tribord et babo, vos amis qui t'es connecté nous dans tout un 10 départements pays d'Haïti ou même qui t'a suivi nous dans quatre coins monde là. Nous comptons pour nous être capables faire voir ça ensemble avec vous. Nous comptons de ce que vous êtes là ensemble avec nous. Merci de ce que vous êtes là. Passez une très bonne journée jeudi accompagné de Chanel Maman Pemba voilà kay pour capable toujours être connecté et informé de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger.